2 heures d'avance. 2 heures d'avance, non, pas quand même. Et bonjour à tous et bienvenue sur la Gata TV pour ce premier live sur le jeu Monopoly Plus. Je suis le Droid Geek et je suis en compagnie du Droid Tech. Salut. Ah, j'ai cru que t'allais jamais dire bonjour. Mais si, oh. Oh. Donc premier live sur le jeu Monopoly Plus. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué un jeu comme ça, surtout à celui-là. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc le jeu est sur PC. Donc on va lancer une partie en local. Donc on a le choix entre 3 plateaux. Le plateau vivant, le plateau classique et le Monopoly Lapin Crétin. Bon, on va prendre le plateau vivant. Avec des règles classiques. Moi je vais prendre ma petite voiture. On va mettre des IA en mode normal. Non, lui il est en mode facile. Hop. On va en mettre 3, une partie à 4, ça devrait aller, ça va pas être trop long. Je pense que ça va être simple. Hein. Ouais, mais ça évitera de me faire trop exploser dès le début. À vous de jouer. Hop, on va basculer directement en plein écran, ça sera mieux. Hop, donc on va commencer par lancer le dé. Celui-là qui a le plus gros score commence. Moi j'ai fait un petit 10. Martial le chat a fait un petit 5. Lançons les dés. Un petit 5 aussi pour le chapeau haut de forme. Bon bah ça va, je commence en premier. Impeccable. Le plateau est posé. Les dés sont prêts, place au Monopoly. C'est parti, on va lancer les dés. J'ai shooté le chat au passage avec les dés. Un petit 7. Bon bah on commence par une petite case chance. Voyons si Dame Fortune vous sourit. Alors, allez à la gare Montparnasse. Si vous passez par la case départ, recevez 2000, enfin 200, je sais même pas comment on appelle la monnaie là-dedans. Genre c'est strictement rien. En plus j'ai fait tout le tour du plateau, j'ai gagné 200. Hop là, je vais l'acheter, ça me revient à 0. On va faire la fin du tour. C'est votre tour. Allez, un petit 7 pour le Toto, qui va aller aussi sur la case chance. Que disent les cartes? Oh, dommage pour lui, faut qu'il verse 50 à chaque joueur. Putain. Ah bah, c'est comme ça quand t'as été élu. Lancez les dés pour découvrir ce que l'avenir vous réserve. Maintenant, au chapeau haute forme, qui fait un petit 5. Qui va me rapporter des sous parce qu'il arrive sur la gare Montparnasse que j'ai acheté juste avant. Un bon investisseur ne se décourage jamais. Donc là, l'idéal c'est que j'essaye d'avoir toutes les gares histoire d'augmenter le tarot quand ils arriveront dessus. Voyons voir si la chance est de votre côté. Oh bah lui il a pas de chance. Il est tombé sur la case chance et il a le droit d'aller en tôle. C'est votre tour. Allez, on reprend la main, on lance les dés. Allez, un petit 8. Alors, vous pouvez acheter cette propriété. Voilà, avenue du Neuilly, on va l'acheter aussi. De toute façon, on est au premier tour. J'ai de l'argent. Lançons les dés. Même si l'idéal c'est d'avoir les cases orange et cases rouges, vu que c'est un peu plus loin que la prison, vu que c'est l'endroit le plus visité généralement. Tant que c'est juste une visite. Allez, joueur suivant. Comment avez-vous fait ça? Oh, un petit double 5 pour lui. Il y
Bien évidemment, s'il fait deux ou trois doubles d'affilée, il a le droit d'aller en tôle derrière. Ah bon ? Ouais, normalement, si tu fais un double, tu rejoues derrière. Donc le principe de faire un double. Si t'en fais un deuxième derrière, tu peux continuer à jouer. Mais je crois que si t'en fais un troisième, t'es obligé d'aller en tôle derrière. C'est à nous. Si je me rappelle bien des règles. Enfin bon, la probabilité de faire trois doubles d'affilée quand même. Détendez-vous. Ici, rien ne peut vous arriver. Mais franchement, l'univers 3D là est pas vraiment dégueulasse. Ouais, c'est propre. C'est plutôt sympa, ça permet de changer un peu. Ça donne plus de dynamisme au jeu, je trouve. L'avantage de faire ça sur PC, quoi. Vous devez payer ce joueur. Donc, qui c'est ? Ah, lui, il a qu'une seule guerre, je vais pas pouvoir lui proposer d'échanger. Oula, j'ai un peu chié mon lancer là. Mais bon. J'ai réussi. Mais franchement, il est bien propre le jeu. Ouais. Vous avez l'occasion d'investir dans l'immobilier. Allez, on va acheter aussi. Donc là, plus tu t'éloignes de la case départ, plus les tarots pour acheter sont élevés. Mais bien sûr, s'ils tombent dessus, ça te rapporte un peu plus. Lançons les dés. Pour l'instant, vous avez 3 emplacements pour moi. Voulez-vous investir ? Le chien, on a qu'un. Le chapeau de forme, on a qu'un. Et Martial, le chat, a 0 emplacement. C'est à nous. Ça va, tu commences bien ? Ouais. Bon, on va dire que j'ai pas mal de chance là sur ce début de partie. Ouais, j'avoue, là t'es bien, hein. T'es bien posé. Bon, après, ça peut vite se retourner, il suffit que chacun soit un peu dispatché partout. Dès qu'il y en a un qui fait une banqueroute à cause d'un autre joueur, il récupère tous ses biens, donc. Ouais, carrément. C'est à vous de jouer. Donc, derrière, ça fait mal. Puis là, c'est des petits tarifs si tu tombes dessus. Dès qu'on va commencer à mettre des maisons, voire des hôtels, plutôt voir un hôtel, ça va plus être la même. À votre prochain coup. Bon bah direction à la tôle pour moi. Allez, un petit séjour en tôle. Ah oui, il va peut-être falloir que je fasse la fin du tour aussi. Hop. À vous de jouer. Par contre, j'ai l'impression d'avoir une baisse de son dans mon casque. Vous ne risquez rien ici. Lancez les dés pour découvrir ce que l'avenir vous réserve. Ça vous tente, la chance est de votre côté, je le sens. T'as pas un mec ton casque. Jamais une rentrée d'argent. Non, normalement. Non, j'ai qu'une seule source audio qui arrive dessus. T'es sûr que c'est pas de ton côté ? Par rapport au problème que j'ai exposé, non. Non, 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 c'est pas de mon côté, non. Parce que moi, quand j'avais fait les tests en enregistrement, j'avais qu'une seule entente au niveau de ma voix. Ouais, mais là, c'est j'ai le retour du retour dans mon casque. Le retour du retour, c'est-à-dire ? Bonne chance ! Bah, je t'entends parler deux fois. C'est vraiment bizarre, ça, alors, parce que... Vous savez vous y prendre. Ah, attends. Bon, en plus, j'ai fait un double. Voilà, mec.
Ah non, parce c'est que normal. Moi, dans mon... Hein non, non, mais c'est normal. C'est normal. Parce que du coup, j'avais le live dans les oreilles. Ouais, donc c'est bien de ton côté. Ouais, c'est de mon côté. Ah là 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 là. Avancez au boulevard de la Villette. Si vous passez par la case départ, recevez 200... Je ne sais toujours pas comment on appelle ces billets-là. Oh, comment on appelle la mono Monopoly ? Je sais pas. Voulez-vous investir ? Des monodollars ? Non. Hop là. C'est à nous. Ils appellent. Parfois, on paie les mots cassés. Lui doit verser 32$ au chapeau de forme. C'est à vous de jouer. Tu voulais ta réponse, le système fonctionne bien sur les followers. La banque cherche un investisseur. Ah ok. J'ai pas vu moi l'annonce là. Ouais, je l'ai eu là pour Vulcan Raven 54. Et salut au passage. C'est votre tour. Mais ça n'a pas été diffusé sur... Moi je l'ai pas vu. Ah toi bah... tu l'as vu mais j'ai pas eu l'annonce. Moi je l'ai vu de mon côté. Ok. J'ai même eu le son, j'ai eu peur que ça me pète les oreilles mais ça va, j'ai bien réglé le truc. Après, okay. De toute façon, je reverrai derrière si c'est bien en compte. Ouais, pas de problème. Cette propriété est à vendre. Vous pouvez en devenir propriétaire. Ça s'appelle la mono dans le Monopoly, la monnaie. Ça s'appelle la mono. Ouais. Et tu vois, regarde Vulca, il te le dit. Hein. Ça n'a pas été mis sur le live. Ah. Bizarre, moi c'est bien perdu de mon côté, donc je vais voir ça. Courage. L'important, c'est de ne pas se laisser abattre. Ah bah celle-là, je vais l'acheter aussi. Ah bah non, je vais pas pouvoir l'acheter. Vulca, au niveau de mon son et du son du Droid Geek, c'est bon ou pas pour toi? Bon, moi c'est impec, il faut que tu parles toi, Archibald. Pour parler, là je suis devant mon micro et un petit 10 pour le chapeau haut de forme, donc qui va me taxer une case orange. Malheureusement, c'est les meilleures cases, celle-là, vu qu'elles sortent de prison. Ok, merci okay, Vulca pour le retour. Les retours micro sont bons, plus vous en y touchez. Ouais, ça c'est bien. Par contre, j'ai descendu le son de mon micro aussi parce que j'étais à 100%. Du coup, j'ai mis à 30% pour éviter. Ah, bah c'est pour ça que j'ai l'impression que j'avais une perte de son de mon côté. C'est toi qui as toussé à ton micro. Ouais, pour éviter de zozoter. Ouais, vu que moi je l'avais baissé aussi un peu de mon côté. On ne peut pas toujours décider de ce qui va vous arriver. Hop, bon, bah il y a une petite carte pour être libéré de prison, lui. C'est à vous de jouer. Déjà, moi de jouer. Oh là là, un tour ça passe trop vite. Allez, un petit 5, ce qui fait que je vais tomber sur une case rouge. Ah bah ça va. Cette propriété attend son acheteur. Je suis à combien? 1200. Ah oh bah ça va, j'ai des thunes. Alors, un peu, si je pouvais terminer la collection des cases rouges, ça m'arrangerait. À vous de jouer. Du coup, le flou, c'est toi qui l'as mis dans les configurations du PC. Le flou. Bah, que t'as sur le jeu là. C'est directement pris en compte sur. C'est directement le jeu qui est comme ça. D'accord. Merci, Vulca. Merci de ta part, c'est très gentil. Du coup, on verra au prochain follower si c'est marqué sur l'écran ou pas.
Ouais, ça va falloir que je regarde. Moi, bah, c'est bien apparu de mon côté. J'ai bien eu le son au niveau de l'écran. Après, c'est peut-être un petit souci de config. Oh, pas de chance pour lui. Direction les flics. Ouais, vu que moi j'ai bien eu le retour de mon côté, donc. Bonne chance. Oh, lui, il s'est shooté tout seul avec les dés. Allez, un petit 5. Petite cache chance. Les battants ne croient pas à la chance. Bon, il a pas de chance, faut qu'il recule de 3 pas. Ouh, impôt sur le revenu. 200 mono. Lancez les dés pour découvrir ce que l'avenir vous réserve. C'est reparti. Allez, un petit 9. Oh, mais décidément, je suis abonné à la case prison, quoi. Vous allez avoir du temps pour réfléchir. Bon, bah, on retourne en arrière. Et fin du tour. C'est votre tour. C'est même bizarre que ça n'a pas encore commencé à échanger. Ouais, j'avoue. Hein. Donc là, on est trois voire une case d'égard. Le chien et puis le chapeau de forme, ils ont une case orange tous les deux. Vous avez atterri sur une propriété disponible. Voulez-vous investir ? C'est à vous de jouer. Ça va, c'est assez dynamique comme jeu. Ouais, ça va encore. Et puis avec l'environnement, ça va, ça te permet de passer le temps un peu. Tu vois les petits trucs qui bougent derrière, en fond. Quoi qu'il arrive, ne vous du coup, les dés dorés, c'est quoi? Les dés dorés, c'est quand tu fais un double. Okay. Quand tu fais un double, il devient doré. Quand t'en refais un deuxième, il devient rouge. Et si tu fais un troisième, c'est bah tu finis comme moi là en tôle. Lançons les dés. Ok. Donc statistiquement, c'était pas possible. Bah normalement, c'est censé être rare. On ne peut pas toujours décider. Enfin de bon, ce qui va si vous on arriver. Arrive tous à chaque fois sur les cases chance et qu'est-ce que de communauté, la partie va être très très longue. Ah c'est clair, ça va être archi. Ah. Surtout si tu passes ton live en tôle. Dans la prison, ouais c'est clair. Bah par moment être dans la prison ça peut être un avantage. Ouais, mais soit tu payes, ou soit t'as 3 chances de faire un double pour sortir. Mais quand t'es dedans, les autres ils continuent à faire leur tour. Donc si t'as déjà des baraques sur pas mal de cases et qui tombent dessus, ça te rapporte pépette derrière. Pendant que toi t'es tranquille en prison. Ouais. Comment le but du jeu c'est d'en prendre un maximum quoi. Bah c'est de plumer les autres joueurs, d'en récupérer le plus possible. Ouais. C'est votre tour. Bon, on va tenter un lancer de dés, tout à l'heure ça m'a réussi. Bon, bah pas là. C'est à vous de jouer. Bien sûr, là je laisse toutes les animations, mais je peux les passer si je veux pour que ça y plie. Ouais, mais t'as un speed. Bah, c'est même pas un speed là, par exemple, si j'appuie dessus, t'arrives directement à la case où il est censé arriver. Souhaitez-vous acheter cette propriété ? Ok. Ah, par contre, lui, il a chopé ma dernière case. Ah, ça m'arrange pas. À vous de jouer. Ah, tu joues avec ta manette là? Ouais, avec la manette et puis je peux y jouer avec le PC. Ok. Enfin, avec le clavier, tu m'as compris. Allez, impôt sur le revenu. Ouais, ouais, cet argent ne va pas à l'un de vos adversaires. Du coup, après, tu peux. Donc, si d'autres personnes veulent te rejoindre, c'est possible aussi. C'est un multi quoi. Oui, t'as le multi qui est compris dedans. Ok. Du moment qu'ils ont le jeu. Ouais, le jeu, tu l'as eu sur Steam. Le jeu, oui, je l'ai eu sur Steam. Après, le prix, je ne m'en rappelle plus. Bah, attends, je vais regarder ça vite fait. Vous pouvez acheter cette propriété. Qu'allez-vous faire? Ah, une petite enchère. Donc, chacun offre
alternativement ce qu'ils veulent. Donc le prix est combien? Il est à 15 balles sur Steam. 15 balles, ça va. Ouais, 15 balles. Et en configuration minimale, c'est Windows 7, Intel i3. Donc 550, 3 GHz. Ou AMD Phenom 2, 4 Go de RAM. Et une GeForce GTX 460. Et voilà. Et 2 Go d'espace libre. Et sinon, en recommandé, toujours à Windows 7, Intel Core i5 de 2ème gen, 2400, 3 GHz. Ou un AMD FX. 4320, 8 Go de mémoire. Découvrir ce que l'avenir vous réserve. Et puis après GTX 680 ou AMD R7. Ça va, ouais, abordable, ça va. Pour tout le monde. Bonne chance. Ouais, petite config, ouais, ça va. Ouais, franchement, ça va. Ça change de Cyberpunk. Ouais. Oh, moi, Cyberpunk 2077, j'ai pas mon plan. Oh, par contre, là, je me suis fait avoir sur une enchère. J'ai voulu monter pour qu'il croque un peu et résultat, il me l'a laissé. Ça a dommage. J'ai vu qu'il fallait une 3090 pour faire tourner ce jeu. Oh non, pas quand même. Ça reste un Monopoly. Ça sert à rien la 390. Déjà, si t'arrives à te prendre une 360 Ti, 370, tu restes un peu plus l'argent, 380. Mais déjà, avec une 370, t'as fait le taf quoi. Niveau ouais, Nvidia, et puis niveau niveau AMD, c'est ce qu'on regardait la dernière fois. Si tu peux avoir une 6700 XT ou une 6800, c'est déjà très très bien. Après, c'est un petit peu plus d'argent la 6800 XT, pareil quoi. Mais sachant qu'on avait regardé quelques benchs. Avec la 5500 XT, t'as encore de très très bonnes perfs, donc vu les pénuries actuellement. S'il y a de la demande, il y aura une offre. Ah nickel ça, merci de l'échange mon gars. Bravo. Enfin bon, je pense que je vais douiller si je tombe sur celle-là. Pour les impôts, ouais. Constituer un patrimoine. Oh, en plus je commence à être crack moi au niveau sous. Tu vas perdre. Bon, c'est possible, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu là. Enfin un Monopoly tout court. La dernière fois que j'ai dû y jouer c'était en jeu de plateau et puis je devais avoir quoi 10-11 ans. Non, moi la dernière fois que j'ai joué c'était sur Wii. Il y avait une version Wii qui était sortie. Oh là il se fait plaisir, il est en train de construire des baraques. Wouah, je tombe sur une des cages, 600 Oh là là. Chaud. Oh, en plus, je crois que je suis en tôle. Oh, c'est non. Là, j'ai encore moins envie de sortir de la tôle. Sachant que les cases sont juste après. Je crois que c'est 7, 8, 9. 7, 9 et 10, ces cases-là. Vous avez l'occasion d'investir dans l'immobilier. Il existe aussi en version DS ? Oh, je savais pas. Enchère. Ouais, ouais, sur la version DS, ouais. On va en offrir un. Une valeur originale 280. On va en offrir un aussi. Oh non, allez, déconnez pas, faites pas que du 1. Ça va pas monter comme ça. Allez, 10. Dis aussi. Moi je me retire. Je vais les laisser se battre. Petit joueur. Ouais attends, je suis high crack moi là en team. Ouais mais petit joueur quand même. Hein. Faut pas le savoir. Moi la gestion de capital comme ça, c'est pas trop mon truc. Allez, on va tester un dernier. De toute façon, 6 fois. 7, 8. Avec un peu de chance, je tombe entre deux. Oh purée, je tombe en plein dessus. Ah, j'ai de la chance. Ouais, non, là j'ai pas de chance. Quelqu'un possède déjà cette propriété. Il va falloir payer le loyer. Ouah, 550.
Oh, je finis à 100 mono. Oh. C'est à vous de jouer. En fait, je crois que j'aurai le temps d'en relancer une deuxième partie. Ouais, je pense, ouais. Si ça continue comme ça. Peut-être. Ah bah oui, prochain tour, t'es niqué. La chance est de votre côté, je le sens. Mais ça va le faire. Allez. Parfois, on fait les pots cassés. Allez, je récupère un peu de sous-sous. J'ai bien fait de prendre la deuxième gare. Ça me fait 50 mono en plus. À vous de jouer. Elle est archi dynamique le jeu. Enfin, franchement, pour un jeu de plateau. Ouais, bah vu que c'est un jeu de plateau, généralement, pour rendre ça dynamique, c'est assez compliqué vu que ça reste que du plateau. Ah, mais là, par contre, j'ai pas vu sur Steam quand est-ce qu'il était sorti. C'est de ne pas se laisser abattre. Bon, à mon avis, il y a un sacré moment. Le 7 septembre 2017. Lancez les dés pour découvrir ce que l'avenir vous réserve. Ouais, il a 4 ans le jeu. C'est ça. Pour ça qu'au niveau de la configuration, il demande pas beaucoup. Après, c'est qu'un jeu de plateau avec de la 3D, on va dire, assez simple. Oh, mais ça suffit, hein. Mais bon, là, de toute façon, il faut pas plus. La banque cherche un investisseur. Qui sera l'heureux élu? C'est à nous. Allez, un petit 5. De ce côté-là, moi, j'ai rien. On est bien que chez soi. Que diriez-vous de vous agrandir? Voilà, un petit échange. Tranquillou. Lui, il veut des sous pour récupérer à mon avis les cases vertes, ouais. Que voulez-vous échanger? Oh, wow, l'offre qu'il propose. L'autre, il a essayé de négocier une carte qui vaut 300 boules avec une valeur de 163. Ah, du coup, là, ça remonte. Hein. Ah, bah oui. En même temps, il aurait accepté, ouais, il aurait été perdant carrément. Ouais, il a pas négocié grand chose en 5. La chance est avec vous. Ouais, un double, si ça me permet. Ah non, ça, c'est à moi. Vous devriez peut-être gérer votre portefeuille. Oui, je sais qu'il faudrait peut-être que je gère mon portefeuille. Là, il est un peu à sec. Bonne Allez, chance. Avec la chance que j'ai, je vais retourner en tôle là. J'ai un petit 7. Oh non, même pas. Tant pis. Oui, failli faire un double, mais... Ouais, j'avoue. Le transport. Oh, c'est compliqué là. Très lucrative. Non, ça va le faire. Parce que soit je l'achète et ça m'en fait 3. Allez, j'achète, de toute façon, je vais récupérer les sous en passant par la case départ. Bah oui, on verra. De toute façon, c'est le jeu. Ah, en jeu de plateau, vous avez pas fait un Monopoly DBZ? Oh bah, Monopoly, t'as énormément de versions, ouais, qui existent. Ouais, des versions, ouais. Mais je crois qu'il y a une version DBZ qui était sortie. Là, tout récemment, ouais. Je crois que t'as la version Monopoly Mauvais Joueur qui est sortie. J'ai dû voir la pub. Ouais, c'est ça, ouais. T'avais pas mal de crossover avec les lapins crétins et pas mal de trucs comme ça. C'est à vous de jouer. Ouais, il est pas cher, il est à... Le DBZ, il est à 30 balles. Ah, les cases bleues, ne jamais les acheter. Cette propriété. Pourquoi? Trop cher pour... t'as que deux cases pour mettre des baraques dessus. Mais ça te coûte tellement cher que la probabilité que les joueurs tombent dessus est vraiment infime. Par contre, s'ils tombent dessus, ça apporte pépette. Ah bah tu m'étonnes. Pour découvrir ce que l'avenir vous réserve. Wow, quoi que, avec la chance que j'ai, je vais tomber juste dessus derrière. Vous avez assez d'argent pour... Non, je pense pas, non. Voulez-vous investir? Du coup, ça serait intéressant de faire une version Monopoly, tu sais, sur les anciennes consoles, quoi. Ouais, ancienne console, t'as aussi version mobile.
Ouais, version mobile, ouais, mais il y a plusieurs là en version mobile. Tous en version mobile, ça serait mieux. Ah, je pense. Oh, double 5. Tu disais ? En version mobile, c'est ok, mais à plusieurs. Donc, c'est à dire, il faudrait se réunir sur un Discord et puis, ouais, et puis jouer à plusieurs. On se donne rendez-vous et puis voilà quoi. Parce que jouer tout seul sur mobile, à mon avis, tu dois te faire chier. Ouais, et puis j'avais regardé vite fait, c'est exactement celui-là, mais sur mobile. Ouais, la différence, ouais, que tu as des achats intégrés, enfin des sortes de DLC pour changer la ville centrale. T'as Tokyo et puis d'autres petits trucs comme ça. Et ouais, à voir s'il n'y a pas des modes, tu sais, pour Monopoly. Il y a peut-être moyen de modder le jeu et d'avoir un truc méga badass. Quoi. Et si vous gériez votre portefeuille ? Après, à voir. Je sais pas s'il y a la gestion du mode là-dessus. Non, mais après, tu peux le modder toi-même. Il y a peut-être. Après, il y a aussi moyen de faire avec des règles personnalisées, mettre les règles que l'on veut. Mm-hmm. J'espère que vous vous par contre, si je retombe sur les barres à courant juste derrière, oh, je vais pleurer. C'est votre tour. Le seul truc que je trouve légèrement dommage, c'est qu'on peut pas ouvrir une vue de plateau général, se déplacer comme on veut pour admirer un peu. Même avec le scroll de la souris. Même avec le scroll de la souris. Même avec les joysticks là, avec la manette, tu peux pas. T'as une vue de plateau, mais c'est sur le dessus, et puis généralement c'est pour juste voir les négociations. Ouais, je vois. Mmh, wow. Bonne chance. Je crois que j'aurais dû garder la carte orange pour Bibi, au prix que je l'ai eu, on va dire. Parce que l'os, il est en train de se faire plaisir là. Bon, lui, il a de la chance, il retombe sur sa carte. Bon, en plus, il a des bonnes cartes à enfuir. Ouais. Ah, du coup, la partie va durer plus longtemps que prévu. Bah disons que moi je m'accroche à la corde là pour essayer de pas lâcher. Bon, ça va, 321, y a Fabricio là qui est pas mal, mais oh, t'es le troisième quoi. Tu sais que si je tombe sur les cases oranges derrière, à mon avis, t'as perdu. Terminé. Ah bah sûrement. Ça doit attends, ils vont peut-être tomber sur... Ils vont peut-être tomber chez toi, hein. Du coup tu peux récupérer du cash. Là entre temps, non. C'est votre tour. Moi là j'ai que les... Ouais, y a pas trop de cash que je peux récupérer. Alors là, faut que j'évite le 3, le 5 et le 6. Sachant qu'il y en a deux, sont dans la plage. 3, 4. 4. Oh la chance! Pile poil entre deux. J'avoue, là. Voyons voir si la chance est de votre côté. Vous avez gagné le deuxième prix de beauté. Recevez 10 monos. Ah, je sais. La plus belle voiture. Lançons les dés. Allez, un petit double 4. Même dans les coups durs, un bon investisseur ne se décourage jamais. Ah, un petit échange. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir échanger ? Ah bah c'est sûr. 90 contre une carte qui vaut... Les échanges sont le cœur des affaires. Ouais, ils vont faire l'affaire. Oh merde, même pas. C'est à nous. Ah non, ils l'ont pas fait. Bon, en même temps, moi, si quelqu'un veut m'acheter une carte, faut qu'il mette plus cher que le prix. Ah, mais tout à l'heure, la vente, elle s'est fait, un ouais, peu moins cher. Par moment, ça fonctionne, mais... Mm. Par contre, si tu joues avec des vraies personnes, c'est en mode chien total, quoi. Ah bah là, oui. Mais je pense que si tu joues avec des personnes réelles, niveau échange, ça doit le faire tout le temps. À vous de jouer. Tu dois passer plus de temps en échange qu'à jouer. Ah, c'est sûr. Impressionnant. Petit double 2. Aïe. Ah bah non, ça lui appartient. Que ouais, rien que celle-là, tu tombes dessus, 550 monos. Ouh. C'est à vous de jouer. Allez, un petit 7.
loyer. Oh, faudrait que j'arrive à lui faire banqueroute à Anthony là. Il arrivera pas. Ah oui, 85, ouais, il y a peut-être moyen. Bah après, il va mettre en hypothèque tous ses trucs. Ah, c'est sûr. Petit à petit. Puis s'il a plus rien à hypothéquer, bah tu récupères tout ce qu'il possède. Ouais, carrément, ouais. Allez, plus 100, ça commence à être rentable, les gars. Alors, un échange. Tu veux échanger la bleue avec. Quelle est votre offre? Tu m'étonnes qu'il a accepté, maintenant il a les trois vertes. Ah, yeah. Ouais, c'est fini, hein, c'est cuit là. Et là, il va commencer à construire dessus. Ah bah oui. Hop là, et l'une. Et il envoie du lourd, hein. Lancez les dés pour découvrir ce que l'avenir vous réserve. Allez, un petit 9. Sur quoi est-ce que je vais tomber? Oh, du coup, t'as même pas mis de facecam aujourd'hui? Ouais, non. Bah, non, bah. Caméra, faut que je la re-règle. Ok. Donc, à la place, j'ai mis directement un petit gif. Tiens, c'est là. Bah, ouais, j'ai vu ça. Hop là, allez, soyons fous, je l'achète. Ça serait peut-être une connerie, mais bon. Grave. Oh, toi tu vas tomber sur une taxe. Taxe de luxe, sans mono. Courte interruption. Ah bon, pourquoi courte interruption? Bah non, c'est le truc qui veut ça. Ah ouais, c'est con. Ouais, c'est le machin qui veut. Après, il y a peut-être moyen de modifier. Hein. Je vais pas encore regarder dans les fichiers. Il y a peut-être moyen. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? 150 pour que je te donne. Bah, bien sûr, je vais pas accepter. Tu dis? Faudrait que tu mettes le no playing sur le grand écran, le full screen. Ouais, faisait à rajouter. Un copier-coller, hein. De... Ouais, bah déjà sur l'écran pour commencer. Par contre, c'est dommage qu'on peut pas sélectionner la valeur que l'on veut. Je pense qu'il y a moyen en prenant la source, tu la remets dans la scène. C'est peut-être moyen. Purée, oh la connerie. Pourquoi tu t'es fait J'ai oublié de valider le tarot, donc ça s'est basé sur le tarot d'avant. Et bah là-haut. Bonne chance. Ouais, bah déjà sur celui de l'écran d'attente, j'ai rajouté en plein milieu pendant que ça tournait. Ouais, j'ai vu ça. Après, derrière, faut aussi que j'anime le truc. Faire tourner le CD, tout ça. Ça, je ferais ça quand j'aurai 2-3 secondes. Oui, oui. Par contre, là, c'est pour moi, en 720p, 60 fps, c'est vachement fluide, donc il n'y a pas de problème. On peut rester dans cette configuration-là. Ouais. On est bien, quoi. De toute façon, je crois qu'on est limité par Twitch. Ouais, au début, ouais. Bah, tu peux envoyer en 1080p, mais le problème, ouais, c'est que t'as pas... derrière, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, il n'y a pas de... Tout le monde va pas pouvoir regarder en 1080p, quoi. Allez, hypothèque. Pas de transcodeur derrière. Voilà, de mon côté, en faisant tourner le stream et puis en enregistrant en même temps, là, mon CPU est à 13%, donc ça va encore. Ouais, puis t'as une bonne co aussi, hein, donc... Ah bah, c'est ça d'avoir la fibre. Ouais, tu peux te remettre en full si tu veux. Il y a déjà une hypothèque qui a été faite du côté du chapeau de forme sur la case bleue. Bonne chance.
Allez. Pas un 5, pas un 6, pas un... Bon, bah un 5. Aïe. Il y a une baraque. 150 ? Ah non, 130. Il va falloir payer le loyer. Par contre, c'est bizarre, hein. Pareil, j'ai pas le chat qui... Ah oui, c'est bon, ça vient de... Oui, le chat, c'est le temps que ça apparaisse. Ok. Pas de problème. Oui, ça, j'avais déjà testé de mon côté, ça fonctionnait nickel. Ouais, ouais, ok. Même dans les coups durs, un bon investisseur ne se décourage jamais. Bravo. Et ça reconstruit. En plus, eux, ils sont tarés à reconstruire jusqu'à quasiment être à sec au niveau des thunes. Ouais, mais comme c'est un bot, à mon avis, ils ont peut-être... Après, ils sont en difficulté normale. J'ai pas regardé ce que ça donnait en difficulté difficile. Bah, t'es mort. Bah, faudrait que je teste pour voir. Ça pourrait être marrant. À tester, ouais. Vous devez payer ce joueur. Moi, ce qui serait intéressant de faire aussi, c'est. Alors, je vais pas dire quand même. Le Command & Conquer, tu sais, qui était sorti sur. C'est un remake, je crois. Ouais, j'en avais entendu parler. C'est votre tour. Ouais, pour l'instant, là, je vais essayer de faire un live par semaine. Après. Ah non, c'est un remaster. C'est Command & Conquer Remastered Collection sur Steam. Merde. Bien que chez soi, que diriez-vous de vous agrandir? Lancez les dés pour découvrir ce que l'avenir vous réserve. Allez, on essaye de passer la ligne d'arrivée, histoire d'avoir les... Le jeu il a 20 balles. Bon, ça va encore. On a été remasterisé en 4K pour les anciens membres de l'équipe des Westwood Studios, inclus les 3 packs d'extension. Ouais, ça peut être intéressant. Et ouais, ça en fait ouais. Tu le fais en escarmouche et tout, tu fais des bonnes parties. Hein. Ouais. Après ça sera peut-être le prochain live, pour l'instant je sais pas encore. Oui, on verra. Ce que je vais faire, je sais que ça sera on un live par semaine avec des horaires, je ne sais pas encore, ça dépendra de mes cartes. Comme par hasard, il tombe sur un seul gars qui est pas moi. Ouais. Dans mon souvenir, le jeu de plateau, ça se terminait beaucoup plus vite. Ou alors c'est parce qu'on était gosse et qu'on faisait n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Mais en plus là, t'es sur PC, donc le jeu il est là pour durer quoi. Vous êtes chez vous. Ouais. Et si vous gériez votre portefeuille? Ouais, mais ça va, tu t'en lasses pas enfin pour une partie. Ouais, ça va, franchement. Après, je te dis pas que même à regarder, c'est plaisant. Ouais. Je te dirais pas que je pourrais y jouer toute la journée, mais le temps d'une partie, t'accroches quand même. Bah écoute, sur Steam, il y en a qui disaient qu'ils y jouaient pas mal, quoi. À cause du confinement. Lancez l'idée pour découvrir ce que l'avenir vous réserve. Cette fois. On passe la case départ et on récupère un peu de sous. Ouais. Après, plus que je tombe sur la taxe qui est juste derrière et puis je perds les sous que je viens de récupérer. Oh, je vais me taire. Ah non, ça va. Une case de plus et puis je perdais les sous que je venais d'avoir. Ça c'est ballot, hein, franchement. C'est votre tour. Allez toi, tombe sur la gare, tombe sur la gare. Vas-y. Va y arriver. Il tombe sur laquelle? Ah, c'est pas moi. Ouh, là il va douiller. 150. Un bon investisseur ne se décourage jamais. Allez, hypothèque.
Oh, ça va, on est tous à peu près stables au niveau des tarots. Sauf Anthony qui est 300 de plus. Mais non, mais non, regarde Fabricio là. Ouais. Bon, après les autres, ils ont quand même. T'as le chien qui a une hypothèque, Anthony qui a une hypothèque. J'aime beaucoup la déco. Ouais, par contre, tu tombes sur les oranges là, mais tu pleures. C'est fini direct. C'est à vous de jouer. C'est 950 000, c'est ça? Deux. C'était 950 000, non? Non, c'était non. Combien? C'était. Je crois que t'arrives à 2000 si tu tombes sur l'hôtel. Ah ouais. C'est le jour du loyer. Alors. Ah, tu veux échanger avec moi? Qu'est-ce que tu veux? 66. Pour rien la du marne. Tout. Non, il veut pas échanger. Il veut récupérer il la veut marne. Pas échanger. Voulez-vous échanger? T'as quoi? Ah, moi ce qui m'intéresserait c'est ta gare. Tu m'as proposé 66. Carrément tu mets à mort. Ah bah, quitte à essayer de se faire une ristourne. Non mais il va pas prendre. Tu disais? Il va pas prendre. Hop. Ouais c'est de la chatte c'est tout. C'est ça quand tu sais négocier. Ouais c'est ça ouais. Du coup t'as gagné. Ah tu y as bien poncé hein. Il était assis. Bah je l'ai payé 60 et j'ai récupéré 80 derrière donc Ouais c'est bien bonne culbute. Mon circle j'étais en une case libre. Oh bah nickel ça. Alors. La banque cherche un investisseur. Ça fait pratiquement une heure hein. Qui sera le rosé? Ça fait pratiquement une heure de game. Ouais là on est à peu près à 50 minutes. Je pensais que t'allais éclater. Oh putain je croyais que t'allais perdu. Je pensais que t'allais éclater le game avant mais même pas quoi. Lançons les dés. Que j'allais éclater ou que j'allais me faire éclater? Non éclater tout court, bah dans les deux sens quoi. Mais en 20-30 minutes tu vois. Non ça va durer assez. Oh lui il a pas de chance déjà qu'il était assez bas. Il vient de passer à case des barres donc il a récupéré 200 mono et il tombe sur un pot derrière. Il est perdu. Allez hop. Résultat il a rien gagné du tout. Ça alors, vous savez vous y prendre. Allez une petite cache chance. La banque vous verse un dividende de 50 mono. Un dividende? Je pensais que c'était une dividende. Non, c'est un dividende. Moi, je pensais que c'était féminin. Allez, tombez sur mes casques, ça me rapporte un peu. Je veux des sous. Quelqu'un possède déjà cette propriété. Il va falloir payer le loyer. À vous de jouer. Comment avez-vous fait ça? Ah, rapporte-moi des. Ah, c'est même pas moi ça. Courage. L'important, c'est dommage. C'est de ne pas se laisser abattre. Ouais. Ah, l'animation, elle est bien faite aussi sur le jeu. C'est propre, hein, franchement, avec une petite config et tout. Et je suis sûr qu'avec. C'est à nous. Avec un IGPU chez AMD, il y a moyen de faire tourner le jeu proprement. Oui. Oui, il demande pas énormément de ressources. Un Vega 8 ou un Vega 11, je suis sûr qu'il y a moyen. Vous voilà hors de danger. Parc gratuit. Allez. On évite les cases oranges, donc 2, 4, 5. Oui, oui, oui. Oh putain. Ah bah je crois que la partie là. Oh, en plus je tombe sur l'hôtel. Tu vas te faire défoncer. Bah faut que je lui fournisse 1000. Ouais 1000 ouais. Euh.
Ah, vous devez payer 1000, mais vous ne pouvez pas payer échanger avec les autres joueurs, passant à vue vos propriétés et utiliser. T'es sérieux? Je suis obligé d'échanger, je peux même pas. Ah, t'es baisé, t'as passé d'argent? Ouais, mais je peux même pas mettre en hypothèque. Allez, bah, personne. Peut-être pas au moment où tu peux payer, mais peut-être après, oui. Ah oui, voilà, je peux hypothéquer. Ah ouais, mais à mon avis... Ça va être chaud. Ouais, mais je crois que j'aurais même pas assez en hypothéquant tout. Bah non, 1000... Waouh. Ouais, et puis les autres, ils ont quasiment rien en thune. Et je peux rien faire là. Bah le jeu, non, il est coincé, 1000... Moi j'ai pas les 1000. Je vais essayer de tout hypothéquer, mais à mon avis... Ouais, mais même en hypothéquant tout, après... Bah non, après faut que t'appuies sur retour, faillite. Ouais, bah faillite c'est abandon direct, les autres ils peuvent pas me fournir, bah, ils ouais, sont mais... bon, après essaye d'en... Essaye Anthony, comme il avait pas mal de thunes, mais... Ouais, mais il a rien que je pourrais lui échanger. Puis les autres, ils peuvent, si t'échanges, ils peuvent pas hypothéquer derrière pour avoir des thunes. Ouais, ouais. Bah, du coup, c'est faillite, hein, c'est la fin du game. Ouais. Ah, ça va, une heure de game, c'est tranquille. Ouais. Vous avez réalisé d'excellents investissements. Mais ça n'a pas suffi. Bon, bah, quatrième. C'est bien. Bon, je pensais pas de toute façon la gagner, mais ça va. Non, franchement, le jeu est plutôt sympa. 50 minutes et, ouais, 35... propre, ouais. Et 34 secondes, j'ai pas vu le temps passer. C'est propre. Avec un petit système d'objectifs dedans. Hop.